quand plaire à sa dulcinée est tout un apprentissage. Lundi 16 décembre était diffusée à la télévision britannique l'émission à Berry Royal Christmas, où Mary Berry, papesse de la pâtisserie Outre-Manche, avait convié Kate Middleton et le prince William. Au cours de ce programme, le couple Cambridge a mis la main à la pâte pour préparer un repas de Noël aux bénévoles qui viennent en aide aux sans-abri durant les fêtes de fin d'année. L'occasion également pour eux de se montrer très complices, et de faire des petites révélations sur leur histoire d'amour. Et si l'on connaît la passion de Kate Middleton pour la pâtisserie, il se trouve que le prince William n'est pas non plus en reste lorsqu'il s'agit de concocter des petits plats à sa famille. Il est très fort pour les petits déjeuners, a ainsi confié la duchesse de Cambridge, avant d'ajouter que lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter à l'université Saint-Andrews, il lui préparait toutes sortes de plats. Je pense que si est à ce moment qu'il essayait de m'impressionner, n'a pu s'empêcher de lancer la maman de George, Charlotte et Louis, précisant que son époux lui préparait notamment des sauces bolognaises maison. Kate Middleton, pâtissière dans l'âme ravie de ce cours de cuisine avec son idole Mary Berry, dont elle possède tous les livres de recettes, Kate Middleton a également confié qu'elle cultivait à Kensington Palace son propre potager, où l'on trouve des betteraves, dont le prince Louis raffole, ainsi que des pommes de terre. Très soucieuse que ses enfants aient une alimentation équilibrée, il n'est d'ailleurs pas rare que la duchesse de Cambridge cuisine pour sa famille, notamment des pâtes au fromage, mais aussi des plats avec du curry, ce qu'adore la princesse Charlotte. Cependant, une chose que l'épouse du prince William aime par-dessus tout, c'est préparer les gâteaux d'anniversaire de ses enfants, une passion qui parfois la tient éveillée toute la nuit. Step up.